Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Antoine. On se retrouve aujourd'hui pour le 26e épisode du grattage France versus Belgique avec des tickets belges envoyés par notre ami Benoît Labrique. Encore merci à Benoît. La semaine passée, c'est la France qui avait remporté le duel, mais d'une très très courte tête. Hein, ça n'avait pas été des gains fabuleux des deux côtés. Donc j'espère qu'aujourd'hui, on va un petit peu exploser ce plafond de gains qui, la semaine passée, je crois, était de 4 et 3 euros, me semble-t-il, pour la Belgique avec le bingo. Donc aujourd'hui, nous avons côté belge. Eh bien, deux tickets à 4 euros, c'est quelque chose qui n'existe pas chez nous, les tickets à 4 euros, puisqu'on passe de 3 à 5. Donc, nous avons le Win for Life Extra Edition, c'est un jeu à rente. Et à 4 euros également, le Subito version Twist, donc avec une grosse roue. C'est à peu près la même que celle du millionnaire, sauf qu'il n'y a que 5, il y a que 5 portions au lieu d'en avoir 6. On reviendra bien sûr sur la présentation des jeux belges juste après. Pour concurrencer les jeux belges, j'ai pris un objectif maison à 5 euros, puisque c'est le seul jeu à rente qu'on a en France. Et pour faire 4 euros, j'ai pris deux petits x10. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Avant de démarrer la vidéo, vous pouvez bien sûr laisser le petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Hop, merci en tout cas à tous d'en avoir été nombreux. Déjà, bienvenue à tous les nouveaux. Parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne, donc bienvenue à vous. Et puis merci d'avoir été aussi nombreux déjà à suivre les vidéos du début de semaine. J'espère en tout cas que les gains seront un petit peu meilleurs pour aujourd'hui et le grattage abonné de demain. Hop, c'est parti avec le premier x10. On y va, voici les numéros gagnants. Alors, le 9, le 11 et le 36. C'est parti. Le 40, le 58, le 29, le 19, nous il nous faut le 9, hein, le 28, le 55, le 51. Oh, le 11, magnifique, un numéro. Et peut-être un multiplicateur, on va voir. Non, ce sera le 8 et on a le 9. Bon, eh ben, on a au moins un ticket gagnant, le numéro 11, mesdames et messieurs. Pas de multiplicateur aujourd'hui, mais on va voir ce que ça donne. Eh ben, c'est pas mal, 4 euros, c'est formidable. 4 euros, mesdames et messieurs, sur le premier, fois 10, c'est plutôt pas mal. On passe au second. Hop, est-ce que les tickets se suivent? Légèrement, hein, on avait le 10, on a le numéro 13 maintenant. Alors, les numéros gagnants. Le 18. Le numéro 30 et le numéro 41. Le 60, c'est vrai qu'il y a jusqu'à 60 numéros sur les tickets x10 et x20. Alors que sur le cash, vous voyez, il n'y en a que 40. Le 31, on a le 30. Le 14. Le 45. Le 8. Le 40, on a le 41. Le 46, le 33 et le numéro 9 qu'on avait juste avant. Rien sur le second fois 10. Bon, pour l'instant, on a 4 sur le premier. C'est plutôt pas mal. Et voici maintenant un ticket que vous attendez tous, que vous adorez, le maxi objectif maison, hein, qu'on voit à peu près une fois par an. Je pense que c'est déjà suffisant. Donc voilà, bon, ben, le maxi objectif maison. Donc c'est notre seul ticket à rente hein, en France, hein, puisque si vous gagnez le gros lot, vous pouvez choisir soit 1 million sur 10 ans ou 500 000 euros immédiatement. On passe donc avec ce formidable ticket avec le chalet à la neige. Parce que je rappelle qu'il y a quatre versions du maxi objectif maison. Donc là, on a le chalet à la montagne. Alors, coquillage, avion, étoile, c'est parti. Je ne sais même pas si vous y voyez quelque chose, tellement les symboles sont petits sur ce ticket. Donc j'espère que ça va aller. Alors, lingot. Flûte. Oh! Le ticket est gagnant. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable, mesdames et messieurs. Le ticket est gagnant. Alors ça, c'est presque du jamais vu. Et ben voilà, un maxi objectif maison gagnant avec l'avion. Bon, collier,
Diamant et sandales. Ok, on continue avec cocktail, parasol et cloche. Bon, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle que le ticket soit gagnant. J'y attendais pas, mais voyez comme quoi tout arrive, hein. Alors, ski, chapeau. Maintenant, je sais à peu près où sont les symboles. Donc, pour pas se spoiler, caméra, boussole, des lunettes et un barbecue. Tac, tac, tac. Donc, non, on n'a rien sur cette zone-là. On passe à la troisième avec voilier, couronne et un hélicoptère. Bouée, ancre, un transat, un soleil, une piscine et une clé qui de toute façon ne nous servira à rien puisque il reste plus qu'une seule zone à gratter avec valise, train et la planète Terre. Pour l'instant, un seul symbole gagnant. Hein. Attendez, est-ce que c'est en train de tomber sur le côté? Je remets ça droit. Voilà. Alors, piano, kayak, bague, palmier, montgolfière et glace. Ok. Donc, nous avons un symbole gagnant qui est l'avion ici. On passe déjà au jeu numéro 3, c'est-à-dire les maisons. Il faut bien sûr retrouver le symbole maison pour avoir un gain. Donc, ce qui est bien, c'est que si on trouve une maison, on est sûr au moins d'avoir 20 euros, puisque on ne peut pas avoir 5 euros et trouver des maisons ici, puisqu'il n'y a pas de lot à 15, à 25, à 35, etc. Alors, appart, immeuble, boutique et hôtel. Donc pas de maison pour nous. On a donc le gain de l'avion. On va voir ce que ça donne. Eh ben 5 euros depuis le début qui étaient cachés là. Mais c'est déjà pas mal. Le ticket est gagnant. Eh ben 5 euros sur la maison et 4 sur le x10. Pour l'instant, on est à 9. Est-ce que les tickets belges vont battre les tickets français? On va démarrer avec le Win for Life. Je vais légèrement dézoomer. Voilà, comme ça on verra mieux. Avec un ticket, donc, voyez, ambiance paradis, hein, paradisiaque, pardon, paradis, île paradisiaque, je ne sais plus parler. Donc, ticket à 4 euros, où l'on peut gagner 2000 euros par mois, plus 50 000 euros en une fois. Vous voyez, c'est écrit là. Donc, le jeu est très simple, vous avez deux symboles ici, il va falloir essayer de les retrouver parmi les quatre symboles qui sont ici. Et bien sûr, avoir le gain qui correspond, ou alors, bien entendu, avoir un gain sur le bonus, à savoir que les gains sont cumulables. Et là, le tableau des lots est complètement fou, hein. Il y a des lots en veux-tu, en voilà, des lots à 4, à 5, à 8, à 10. Vous voyez, ils ont mis un tout petit peu de lots à 5, un tout petit peu de lots à 10. Tac, 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 à 12, à 15, à 20, à 25, il y en a plus à 25 qu'à 20, à 30, à 40, à 50, il y en a plus à 50 qu'à 40, très intéressant, 300 lots à 75, 200 lots à 100, 20 lots à 400, 10 lots à 4000 et un gros lot à 2000 par mois à vie, c'est par mois à vie, hein, c'est ça, rente mensuelle de 2000 à vie, oui, ainsi qu'un gain unique de 50 000 euros, oui, d'accord. Et donc sur 1 250 000 tickets, c'est une chance sur 3,65 d'avoir un gain, donc c'est pas exceptionnel non plus par rapport par exemple à l'autre, le Subito, où il y a une plus grosse chance d'avoir un lot, mais le tableau de lot est quand même assez intéressant puisqu'il est très très varié. On va attaquer donc avec le Win for Life Extra Edition. C'est parti, on va d'abord découvrir les symboles en essayant de ne pas dévoiler les lettres, bien entendu. Alors, est-ce qu'on a un premier symbole? J'en sais rien. Je suppose que oui. C'est quoi? C'est un château. Alors attendez, hein, parce que. Donc là, il y a les symboles là, qui doivent être au-dessus. Donc on a un château et un cornet de glace. Un château de sable et un cornet de glace. On est d'accord. On va essayer donc de les trouver juste au-dessus. C'est parti. Je ne sais pas où gratter, c'est magnifique. C'est là. Donc on a des lunettes,
Ah oui, donc ça va être d'accord, ok. Donc on a des lunettes pour 50 euros. Un chapeau pour 5 euros. Pour l'instant, on n'a rien du tout. Des tongs pour 400 euros. Et alors que je vois qu'il y a quelque chose qui est en train de ramper. Hop. Et dernier symbole. Aïe, 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 aïe. Non, ce sera une bouée gonflable pour 100 euros. Et si j'ai bien lu, il n'y a que 4 symboles. On va vérifier, oui. Hop, les symboles gagnants et le QR code qui est juste en dessous. Malheureusement pour nous, rien sur le jeu principal. On passe au petit bonus qui est de 0 euros. Rien sur le Win for Life. Malheureusement, ça part mal pour les tickets belges. On passe au deuxième ticket, le Subito, avec un petit peu plus de chances de remporter un lot. Donc, vous voyez, ça se présente comme ça. On peut gagner jusqu'à 100 000 euros sur une roue semblable à celle du millionnaire, avec un segment en moins, un petit lapin, une colombe. Les couleurs sont d'ailleurs très très bien choisies. Une chance sur 2,7 d'avoir un lot. Donc là, c'est plus intéressant. Le tableau des lots, par contre, n'est pas autant étoffé, puisqu'on a des lots à 4, des lots à 8, à 10, à 20, à 30, à 50, et ensuite 400 lots à 100. 30 lots à 400, 10 lots à 4 000 et un gros lot à 100 000 euros pour 1 250 000 tickets. Grattez les 5 zones de jeu. Si vous découvrez 3 symboles identiques dans une même zone, vous gagnez le montant indiqué dans cette zone de jeu. Les gains éventuels des jeux sont cumulés. Et bah très bien, les règles sont très très simples. C'est parfait. Vous voyez là, par contre, il n'y a pas. Tout est dans le même sens. Enfin, tout est. Décroissant, voilà, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas par exemple plus de lots à 10 qu'à 8, ou plus de lots à 20 qu'à 10, etc. Contrairement à l'autre ticket. Hop, là c'est un tableau des lots plutôt classique. Alors, on va zoomer légèrement. Hop, et c'est parti pour ce Subito Twist Edition. Alors, j'espère que les symboles sont au même endroit que les étoiles. Sinon, on va chercher. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un ballon. Bon. Une étoile et il en manque un, non? Ah, il est en dessous, d'accord. Ouh là là. Et la roue, d'accord, ok. Et je suppose que c'est délimité comme ça. Ok, le gain est au-dessus. Ok, très bien. Bon, ben là, de toute façon, il n'y a même pas un doublon, donc c'est déjà cuit. Ensuite, chapeau, un bouquin et deux bouquins. Hop, donc rien sur la deuxième zone de jeu. Troisième zone avec un lapin. Deux lapins. C'est un lapin ou un kangourou? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est un lapin, on est d'accord, hein? Attention, et... Où est le troisième? Aïe, 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 aïe. Malheureusement, non, la colombe qui est là. Hop, donc rien sur la troisième zone non plus. Il nous en reste deux. Un cheval ou une licorne. Non, c'est pas une licorne. Plus un cheval. Bon. Et ben la colombe qui est là, qui est revenue, malheureusement. Et l'autre symbole est là, à mon avis. Eh oui, deux cheval. Deux cheval. Deux chevaux. De cheval et la colombe, donc rien malheureusement. Ah, c'est la chaleur, hein, mesdames et messieurs. Et dernière zone, ça sent pas bon, hein. Je vous le dis, ça sent pas bon. Une baguette magique, deux baguettes magiques, il nous reste une chance. Et aïe, 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 et le ballon, malheureusement, rien du tout. On va quand même gratter le reste pour voir s'il n'y a pas une surprise. Je ne pense pas. Donc je suppose que les gains étaient ici. Ouais, les gains étaient là, 50. On a 10 également ici. Le code qui est là. Ok. Bon, après, les Belges sont habitués à l'emplacement des symboles. Malheureusement, on n'a rien. Hein. Là, il y avait 30. Là, il y avait 4. Et là, il y avait 400.
Eh ben, que des doublons, pas de triple symbole dans la même case, malheureusement pour nous. Eh ben, c'est un zéro pointé pour les tickets belges. C'est rare qu'on ait aussi peu, je prends également avec la vidéo de la semaine passée, c'est rare qu'on ait aussi peu de tickets belges gagnants, parce que d'habitude, c'est plutôt les tickets qui nous portent chance. Et ce coup-ci, malheureusement, on n'aura pas eu grand-chose. Victoire donc, eh bien... à plat de couture de la France avec 5 euros sur la maison et 4 sur le x10, ça fait 9 à 0 pour la France. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci encore à Benoît pour l'envoi de tes tickets. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Vous pouvez bien sûr laisser un pouce bleu, la partager et la commenter. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur la petite cloche des notifications, et bien sûr n'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous avec cette canicule, rendez-vous demain pour le dernier grattage de la semaine, le grattage abonné numéro 509. Bye bye et à demain.